Coucou mes petits hérissons, c'est Soy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode de la découverte du gameplay sur Hollow Knight. C'est un jeu d'action-aventure vraiment tout mignon, où tout le jeu a été dessiné à la main. Donc c'est vraiment sympathique, tu te prends une claque dans la tête visuellement. Ça ressemble un peu à... comment ça s'appelle le jeu que j'avais déjà présenté? Qui est un peu le même principe, c'était avec des dessins faits en pastel. Mince. Voilà, ah, c'est ça. C'était Candil, C-A-N-D-L-E, si jamais vous voulez aller voir un peu la vidéo. Il me semble que j'ai dû faire un let's play entier sur le jeu, ou quoi que j'ai un petit doute. Non, j'ai dû faire juste une petite vidéo de présentation. Et il y a des aquarelles dessinées à la main, mais vraiment magnifiques. Franchement, je vous le conseille si vous aimez ces jeux comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir, enfin qu'on va lancer une nouvelle partie, on va découvrir ça tous ensemble. Déplacez le curseur afin que les cadres touchent les bords de l'écran. Ok, bah c'est déjà bon, c'est bon, terminé. Régler la luminosité au niveau souhaité. Bah ça c'est très bien aussi, on va les rester comme ça. Et on va découvrir un peu tout ce petit jeu vraiment sympa. Aussi, tiens, pour informer, je pense que... Attends, nous prononçons votre nom avec regret et fierté. Nos instincts primaires, vous avez su le dompter. Nos âmes sauvages ont été rachetées, un monde offert dont nous pouvions seulement rêver. Extrait de l'élégie d'Olwen West par l'érudit Mononon. Ok. Est-ce que c'est un vrai... Ça doit être un mec qui n'existe pas, ça doit être dans le jeu, je pense, mais... On sait jamais. Ah, bon, je vous laisse profiter de la cinématique et tout. Au cas où. Ok, comme vous pouvez voir, le jeu est vraiment sympathique niveau graphisme, c'est vraiment super joli. Donc on peut voir en haut, du coup, mes petites vies, hein, les petites têtes de mort. Comment qu'on se déplace, du coup? Ah, c'est avec les touches directionnelles. Est-ce qu'on va... On va peut-être pas utiliser le... un jeu signé Team Cherry. Ok. Ok. Appuyez sur X pour attaquer. Ah, je peux tout couper. Là, il y a des petits trucs à récupérer. Je me suis douté qu'il allait potentiellement avoir des... Qu'on peut attaquer en haut, on peut attaquer... Ok, d'accord, on a déjà récupéré 15 petits trucs. Donc, est-ce que c'est de la monnaie du jeu? Est-ce que ça va me servir à acheter des objets? On ne peut pas sauter. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé la... Attention, un ennemi. Donc, ça doit être la monnaie du jeu. Z pour sauter. Maintenir. Ah, on peut sauter plus haut. Ah, je me suis dit, c'est quoi ça? Ok. On va essayer de récupérer tout ça. Toc, toc, toc. Est-ce que par hasard, pour l'autre... Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller vite fait. Hop là, tiens, j'ai envie de couper ça. On peut pas courir. J'essaie d'appuyer un peu sur toutes les touches au cas où. Pour voir si on peut pas courir. Donc non, on peut pas courir. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de me dire qu'on peut peut-être... Ah non, on peut pas. Bon, tant pis.
Je me suis dit, pourquoi pas en essayer, ça coûte rien. Donc là, j'ai fait un massacre, j'ai tout cassé, j'ai tout coupé. Pof! On coupe tout, on est des méchants. Est-ce que je peux couper? Non, je peux pas couper par là. Hop! Donc là, on va sauter. Un peu de, petit peu de plateforme, on va bien voir ce que ça va donner. Et là, interagir. Ok? Être supérieur. Ces mots sont pour vous seul. Votre grande force vous marque parmi nous. Canalisez votre âme et vous accomplirez des exploits que d'autres ne peuvent que rêver. Régénérez l'âme en frappant des ennemis. Une fois que vous aurez accumulé suffisamment d'âme, maintenez A pour canaliser l'âme et se soigner. Ok? Ah. Ça, je m'en doutais qu'il fallait le taper au-dessus. Bon, là, c'est trop simple. D'accord, là, c'est trop simple, faut passer par là. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire par ici? Ah, tiens, une petite pièce. Je la récupère, je sais pas. En fait, je sais même pas à quoi ça sert, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Ce petit jeu m'intéresse pas mal, il a l'air d'être sympathique, vraiment mignon. Si jamais vous avez envie qu'on parte sur un let's play, pourquoi pas, bah... Ah, j'ai récupéré des vies supérieures, je pense. Ah, oh, je me suis pris des dégâts bêtement là. Et par contre, ok. Ah putain, je me suis trompé de touche, le con. Ah bon bah voilà, c'est ce qui s'appelle faire le débile. Donc là, on peut maintenir pour canaliser. Ok, ça nous soigne un petit peu. Et faut que j'arrive à... Ah, oh, bon sang, j'ai le con, j'ai appuyé sur Z... Enfin, sur X à la place d'appuyer sur Z. Ok, on peut se re-soigner. C'est dommage, on avait... Oh, bon sang. On était bien en point de vie. On a tout perdu parce que j'ai fait le con. On va essayer de remonter du coup, hop, sans perdre trop de temps. Et bah ouais, bien entendu, ça on a perdu les points de vie qui étaient là. Oh! On ne peut pas passer par là. Ah merde! Je pense qu'on aurait pu avoir ça au cas où. On aurait fait attention. Ah! Ah ah ah! Ça, fallait se... Oh putain, c'est pas possible. Et concentre-toi, ça a eu bon sang, parce que là... Oh putain. Oh yes. Ah ça, fallait savoir. En fait, je trouve que les touches sont pas forcément bien programmées. Et merde. Ça, c'est par contre, c'est de ma faute. Hein. Les touches sont pas forcément bien programmées, parce qu'on pourrait pas les modifier. Et... Il y a une manette. Est-ce que j'essaierai pas de jouer au contrôleur SIM aussi vite fait? Voilà. Comment ça se passe? Ah non, ça marche pas parce que peut-être qu'il fallait que je lance directement le jeu avec la manette, je pense. Ok. Non, je me suis dit pourquoi pas essayer. Si ça se trouve, vous pouvez peut-être hop, réussir à passer de l'autre côté. Bon bah tant pis, on n'a pas réussi. Tant pis, tant pis. Donc on va voir ce qu'il va nous dire là. Examinez. Être supérieur. Ces mots sont pour vous seul. Au-delà de cet endroit, vous entrez sur la terre du roi et du créateur. Okay. Franchissez ce seuil et respectez nos lois. Soyez témoin de la dernière et unique civilisation, le royaume éternel. Allo Wenst. Ok. Allez, casse-moi ça. C'est bon. Petite cinématique. Ah non. Bon, par contre, on n'a plus qu'une seule petite vie. Ok. Faut pas que j'oublie que c'est... À chaque fois, je me trompe. Je veux attaquer.
À la place que. À la place de sauter. De Dirtmoor, la ville fantôme. Ok? Bien le bonjour, voyageur. J'ai bien peur qu'il ne reste plus que moi pour t'accueillir. Notre ville est devenue très silencieuse au fil des temps, du temps. Toutes les créatures résidant ont disparu, un à part, un par un. Ils sont descendus dans le puits pour rejoindre les cavernes plus bas. Autrefois, il existait un grand royaume sous notre ville. Il est tombé en ruine il y a bien longtemps. Mais il attire toujours tout un tas de monde dans ses profondeurs. Richesse, gloire, illumination. Ces ténèbres semblent tout promettre, et non prometteur, excusez-moi. Mais faites bien attention à toi. L'air en bas est malsain. Les créatures deviennent folles et les voyageurs sont privés de leurs souvenirs. Peut-être que les rêves ne sont pas si bonnes. Ne sont pas de si bonnes choses après tout. Ok. Est-ce qu'on peut se reposer? Ah yes, on peut se reposer, gagner tous ses points de vie. Ça c'est cool. Pour toutes vos fournitures de cartographie, nous serons bientôt ouverts. Ok, bah t'es pas ouvert pour l'instant. Ah merde! Je suis tombé! Je voulais pas moi. Ok, ça, c'était un ennemi. Je me suis dit au cas où c'était peut-être un gars sauvé. Tiens, ah non, on peut pas passer. Et peut-être que... Non, on peut pas passer. Peut-être qu'on pouvait peut-être les casser. Oh. Salaud. Celui-là, on va passer là. On va attendre. On casse ça. Ah, t'es mort. Pas très compliqué. Ok. Ok, allez, vas-y, passe. Ah merde, à chaque fois je me trompe. Je me trompe de touche. On va passer là, on va pas essayer de les tuer. Hein. C'est ça, ils sont casse-couilles. Bon, lui il pleure. Ok. Il y a peut-être un truc à faire, mais quoi, comment, où, que je ne sais pas. Pour l'instant, on ne peut pas y arriver. Oh putain! D'accord, mais en fait, le chemin est super long. En fait, je suis tombé, mais... Examinez. La voie du pèlerin. Les voyageurs d'Alontes traversent des terres sauvages, verdoyantes et des bosquets de champignons pour atteindre la ville située au cœur de ce royaume. C'est là que tous les vœux seront exaucés et toutes les vérités révélées. Ok. On va se soigner. Oh putain. Je ne peux pas le tuer, je pense, pour le moment. Faudra que je débloque des pouvoirs. Ok, bon, on va essayer de passer par là. Je comprends pas trop ce qu'il faut faire au final. Est-ce qu'il faut explorer? Ah, bon sang. On va se soigner. Allez, vas-y. Passe-toi. Voilà. On a plusieurs petites pièces. Franchement, je vois pas du tout où faut aller. Regardez. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. Ah putain. Franchement, les touches me perturbent.
Allez. Ah, et je ne peux pas y aller par là-bas. Vous voyez qu'il y a un petit truc là-bas. À libérer. Bien entendu, on ne peut pas y aller pour le moment parce qu'on n'a pas un saut, je pense, assez haut. Donc là, il y a une nouvelle créature. Ah, bon sang. On se soigne. Ah non! Je me trompe de touche. Putain, j'appuie sur sauter à la place à chaque fois. Franchement, à chaque fois. À chaque fois, je me trompe de touche. Et là, un nouveau. Oh putain, un nouvel ennemi. On va s'en profiter pour se soigner. Ça, c'est cool. Ah bon sang. Celui-là est chiant à tuer. Enfin, il y a peut-être un truc que je fais pas bien. Hein. Ok, bon, stop. On va pas prendre de risque. Là, regardez. Allez. On va se soigner. Pof. Pof. Bonne question, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut explorer et essayer de trouver des trucs, du coup. Ok. Ah bon sang. Bon sang, et je joue comme une quiche, c'est pas possible. Ok, c'est bon, il est mort. Est-ce que je peux me soigner? Ouais, je peux me soigner. Par contre, du coup, je vois pas vraiment du tout où faut passer. Donc là, il y a un truc. Entrée. Oh, tiens, on va rentrer. On a trouvé un bâtiment. Première fois qu'on trouve un bâtiment. Écoutez. Bonjour, c'est un plaisir de te rencontrer. De rencontrer un autre voyageur sur ces sentiers perdus. Tu es petit, mais tu as l'air costaud. Je suis Quirrell. J'ai une sorte d'obsession pour tous les endroits encore inexplorés. Cet ancien royaume recèle de nombreux mystères fascinants et le plus intrigant d'entre eux est juste devant nous. Un grand œuf en pierre situé dans les vestiges d'un ancien royaume. Et cet œuf est-il chaud? Quoi qu'il en soit, il a l'air unique en son genre. Peut-on l'ouvrir? Il y a des marques étranges partout au-dessus. J'aime tellement un bon mystère. Qui sait? Quelle autre merveilleuse merveille se trouve plus profondément en dessous de nous. Ok. Salut Kirwell. Bon, au final on a trouvé un truc. Je ne sais pas à quoi ça sert. Il nous en a pas dit plus. Il nous en a pas dit plus. Qu'on essaie de. J'aimerais bien essayer de découvrir un peu ce qui s'y passe quand même, histoire de vous montrer quelques trucs. Et là, franchement, il fait super chaud chez moi. C'est horrible. Et oui, tiens, petit truc que je voulais vous dire. Je serai en vacances à partir du mois de début août. Donc, je sais plus exactement quand. Je crois que c'est à partir du 29 juillet. En gros, début août. Ah, tiens, on peut monter. D'accord, on a retrouvé le passage pour aller vers le haut. Je voudrais vite fait aller explorer de ce côté-là quand même. Et du coup, il y aura sûrement moins de vidéos ou pas du tout de vidéos. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Une porte en pierre avec une serrure simple. Ok, donc on peut pas y aller pour le moment. Il y aura sûrement pas de vidéo pendant les 2-3 premières semaines d'août. J'espère que ça vous aura. Enfin, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Vous embêtera plutôt pas trop. Parce que bien entendu, je vais partir un peu en vacances. Donc là, on ne peut pas pour le moment. On va essayer de descendre. Bien, du coup, on va descendre. Il y a sûrement quelque chose à faire, à trouver. Hop là. Salut Jean-Claude. Ah, faut monter. On va attendre qu'il repasse. Ah, bon sang, je me suis planté. Je me suis planté de touche. Donc on a 186 pierres bizarres. Pof. J'aimerais bien pouvoir courir aussi. Est-ce que les ennemis que j'ai tués ne réapparaissent pas? Peut-être. Bonne question.
que là j'ai l'impression de croiser personne. Ok, bon, on va aller par là, il me semble que je suis pas allé. Ok, oh, un festin. Ok. Ah merde! Oh merde, fais chier. Ok, on va y arriver. Ah, je pensais pouvoir me soigner. J'ai pas eu le temps. Oh, j'ai tout perdu en plus. Oh, je suis déçu. Ok, d'accord. Tu perds tout quand tu meurs. Et je présume que tous les monstres réapparaissent aussi. Hein ? Ce serait trop beau sinon. Ouais, c'est ça. Tous les monstres réapparaissent. Ok, donc ça c'est encore, c'est pas super super grave. Par contre, ce qui m'embête, c'est d'avoir perdu toutes mes pièces. J'en avais pas mal. Et je sais pas à quoi ça servait. C'est ça qui est chiant, ça n'a pas été dit. Bon, du coup, on va recommencer. On va essayer de recommencer. Donc là, il y a un boss. Est-ce qu'on essaierait pas de le tuer quand même? Ok. Ok, lui, il est mort. Toc. Bon, là, on va pouvoir se soigner, du coup. Attention au stalactite qui est là. Maintenant que je sais... Putain, il fait vraiment très très chaud chez moi. Maintenant que je sais qu'il faut sauter, attaquer et tout, on va essayer de le zigouiller. Ah non, je peux pas le tuer. D'accord. Et tu récupères quand même tes machines. Bon, par contre, avant de le zigouiller, on n'est pas fou. On va essayer d'aller récupérer quelques petits cristaux pour se soigner. Allez, comme ça, voilà, ça va être très bien. Pof. Et on ne peut pas se soigner entièrement. Voilà. Normalement, là, pof. D'accord. Donc, on a notre fantôme à tuer au cas où. Donc, ça, c'est un truc à savoir. Est-ce que je descendrai pas pour voir ce qui s'y passe? Tant pis, on va pas voir, on va pas tuer le boss. Ok, donc on peut pas y accéder. Je pense que c'est un raccourci. Ça doit être un raccourci, mais du coup, pas possible pour le moment. On n'est pas passé par là non plus. Ça a l'air d'être bizarre, une sorte de mine bizarre. On va y aller. Non, donc ça, c'est pas des cristaux à récupérer. Donc là, on ne peut pas passer non plus. J'entends des bruits de... Je pense que ça doit être un ennemi, mais... Ah non, c'est pas un ennemi. Oh! En terre pâle et légère. Ma mère enterre les yeux bien fermés. Mon père enterre deux par deux. Mes sœurs, et quand tu auras terminé, enterre-moi dans l'heure. Ah ah ah! Tu la connais celle-là? C'est une de mes favorites. Nous pouvons chanter autre chose si tu veux. Commence à chanter et je chanterai avec toi. Je suis prêt à parier que tu as une voix magnifique. Ah ah! Alors dis-moi, que fais-tu ici? Tu es venu pour devenir riche? Tu n'as qu'à regarder autour de toi. Ces mines sont toujours pleines à craquer de richesses. Il y en a assez pour tout le monde. Prends une pioche et fais comme moi. Ah ah ah! Ok. Donc là, il y a un... Oh, il y a un petit... Ok. Pas c'est quoi ça? Ah, ça nous permet de recharger notre truc pour nous soigner. Ok, tant mieux. Bon bah on va explorer par là, même si je pense que c'était pas forcément
L'endroit le... Ok, bon. Peut-être qu'on ne peut pas pour l'instant parce qu'on n'a pas de pioche. Je pense. Comment qu'on fait pour choper une pioche? Hein, de quoi, qu'est-ce qu'il a dit? On enterre le chevalier avec son aiguille brisée, enterre le prêtre, quelque chose au sujet d'une couronne, je n'arrive pas à me souvenir du reste des paroles. Ah, je vais juste la fredonner alors. Ok, bon bah je pense que là le prochain objectif ça va être d'aller essayer de zigouiller le sort de mini-boss qu'il y avait en haut. Parce que là du coup je pense qu'il y a des plein de petites quêtes à faire, annexes. Hop là. Ah! Allez, s'il te plaît, mon petit perso. Monte. Ouais. Allez, on va bien voir. On n'oublie pas sauter, attaquer. Sauter, attaquer. Allez. C'est bon, on est bon. Ah putain. Ouais, il est mort. Donc là, on a libéré une pieuvre. Et je pense que, du coup, comment qu'on fait? Ça, c'est cool. On a réussi à le tuer. C'est pas ça n'a pas été si difficile que ça. Je pense que la pieuvre va aller du côté là-bas. Oh, c'était compliqué, hein. Enfin pas si compliqué que ça, mais chiant plutôt. Parce que dire que c'était compliqué, c'est abusé quand même, je trouve. Donc là, il y a un truc à faire aussi avec ça. Quoi pour le moment, je ne sais pas. J'ai pas essayé d'attaquer, je crois pas. Faudrait que j'essaye éventuellement. Ok. Pof, ça on défonce. On continue. Ceux-là sont pas très très compliqués à tuer. Il me semble qu'il était là. Ah, c'est ça, ouais. Ah, regardez, il m'a donné des pièces. Celle-là donne plus, j'ai l'impression. Ok, donc le but est de libérer vraiment les petites larvinettes qui se trouvent par ici. On va essayer de passer par là, on va bien voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on a déjà été par là? Ah non, ouais c'est bon. Ouais, on a déjà été par là parce que vous voyez que ça a été pété. Et par contre... Oh putain! C'est bon. Un peu... Bon, je joue comme une quiche là, c'est pas possible. Et en plus, j'ai perdu beaucoup de points de vie. Allez, soigne-toi. Voilà, c'est bon. On va attendre. Voilà, c'est bon. Ok, il est mort. Comment que je fais pour... Bon sang. J'appuie pas assez en fait. Peut-être que si... Peut-être que si... Non, je ne peux pas. Je ne peux pas pour le moment. Donc va falloir qu'on aille de l'autre côté. Et tiens, on va se soigner vite fait. Hop. Comme ça, on a 4 points de vie. Ah, bon sang, à chaque fois, je me plante. Donc là, il n'y a rien. On peut pas passer.
Ok, on est bon. On va descendre et on va bien voir un peu. Y a un mec là-bas. Écoutez, bon, on va l'écouter. Ah, bien le bonjour. Êtes-vous venu pour explorer ces magnifiques vieilles ruines? Ne faites pas attention à moi. J'aime explorer aussi. Se perdre et retrouver son chemin est un plaisir comme un autre. Nous sommes extrêmement chanceux, vous et moi. Je suis cartographe de profession et en ce moment, je cartographie cette région. Voulez-vous acheter un exemplaire du travail que j'ai fait jusqu'à présent? Bah oui, ça coûte que 30. Hein? Ok, donc pour afficher, appuyez sur tab. Une carte peut être une chose utile, mais elle ne peut pas à elle seule vous montrer où vous êtes. Si vous n'avez pas le sens de l'orientation, je vous suggère d'acheter une boussole à ma femme Isédéa. Elle vient tout juste d'ouvrir notre nouvelle boutique de cartographie à Dartmouth, avec toutes sortes de choses utiles pour les explorateurs comme vous. Elle vend même de temps en temps certaines de mes anciennes cartes. Ok. Je reviens toujours la voir après avoir fini de cartographier une région. Elle est toujours si excitée de me voir. Ok, donc. D'accord. Je pense que nous, on est au niveau de la sorte. Vous voyez que la flèche pour aller Deathmove, l'endroit où on descend tout en bas. Donc là, on doit être là, nous, je pense. Et je pense que par ici. C'est pas forcément peut-être par là. Peut-être qu'il faut descendre un peu plus, je ne sais pas. Ah, ça doit être ça. Ok. Là, il y a une sorte de pieuvre bizarre. Ah non, je me suis dit pourquoi pas essayer. Attendez, on va se soigner. Il y a peut-être quand même moyen de. Non, ah non, je me suis dit, il y a peut-être moyen de sauter quand même et de du coup de. Ah oh, bon sang. Ça par contre c'était mauvais de ma part. On va bien voir. Je pense que c'est pas par là qu'il faut aller. Mais bon, on va tester. On est. Attention. Allez, hop. Putain, à chaque fois je me trompe de touche, bon sang. Ah, c'est pas possible. Ah, je me trompe de touche, c'est pas possible, je suis nul. Voilà, c'est bon. Il nous fera moins chier. En fait, je me trompe de touche avec la touche espace et la touche bah du coup attaque. Oh non! Oh non! Ça, je suis pas assez réactif aussi au niveau des stalactites. Salut mon copain, on t'a libéré. Donc là, 265, pour l'instant, on a largement assez de pognon. Ok. On va attendre parce que lui, voilà. Ah, peut-être qu'on peut peut-être y arriver, hein. Ou putain, j'ai eu chaud. Bon, tant pis, on essaiera plus tard. On n'est pas là pour se risquer à mourir bêtement. Donc t'as l'autre qui parle en au-dessus. Allez. Bah, je pense qu'il faut passer par là. Oh. Allez. Ok, c'est plutôt pas mal. Ah, je suis tombé. C'est quoi ça? Un truc de gare?
Allez, monte s'il te plaît. Ah bon sang. Mais c'est pas possible. Allez, hop. Nickel. Ok, on est bon là. On a pas mal de ressources. Ok. Ah! Attendez, on va se soigner. Hop. Allez, on va se soigner. D'accord, il y a des petites zones aussi qui peuvent, qui nous empêchent de, comment dire, hop. Donc là, rien. Attention par ici. On va descendre progressivement. Ouh, plein de trésors. Ça, c'est cool, ça. Ok, on récupère tout ça. Et là, est-ce qu'on peut passer? Donc non, on ne peut pas passer. On va continuer. Donc là, on ne peut pas monter non plus pour le moment par ici. Mais on va continuer, on va bien voir. Oh, le salaud! Voilà! On va se soigner. Ouais, c'est bon, ça marche. Oh, le salaud celui-là. Là, on ne peut pas passer par là. Est-ce qu'on n'essaierait pas de monter par ici? Ouh, il y a un truc qui brille en plus. Je pense que ça doit être bien. Pour se soigner. Est-ce que c'était indiqué sur la carte? Non, c'était pas indiqué. Donc là, c'est une zone pour se soigner. Ça, c'est bien, c'est pas mal, c'est cool. Oh putain, encore lui là. Hop, on se casse. Donc là, je ne peux pas monter par là. Bon, on va essayer. Putain. Hop, on récupère toutes les pièces. Plus 18. Là, il n'y a pas trop le choix du coup. Ok. On récupère ça. Celui-là, il est pas super chiant à voir. On peut pas passer. Bah, on n'a pas trop le choix. On continue par ici. Donc, des bestiaux qui volent par là. Ah, mince! Je me suis trompé de touche encore. Ouh. Là, on ne peut pas passer. Ok. Je pense qu'il faut monter par là. Et là, il y a un symbole. La carte. Ouais. J'ai eu peur, j'ai bien cru que j'allais me planter. Ah, est-ce que ce serait pas l'endroit à déverrouiller là? L'endroit qu'on n'aurait pas déverrouillé par hasard? Ah, ça doit être ça. Yes! Voilà, les portes, comme ça nous fera un raccourci. Ah, ça c'est cool ça. Ça c'est cool, ça c'est cool. Donc le petit jeu est plutôt sympa et plutôt cool. Donc là on a débloqué. Ouh. Ok. Pourquoi on ne peut pas rentrer pour le moment par là? C'est ça la question. Ok, bah, moi j'ai bien envie de remonter voir la dame. Et on va s'arrêter après sur ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous voudriez avoir du coup un let's play ou pas sur ce petit jeu vraiment sympathique. Tiens, on va se soigner. On peut se soigner. Un petit let's play. Ouais, je pense que ça peut être intéressant parce qu'il est vraiment cool.
Ah bon sang. Ok. Celui-là, il est pas chiant. On dirait des cloportes à moitié. Bah oui, de toute façon, c'est vrai que dans la description, ils avaient dit que c'était un jeu avec des insectes, enfin un monde peuplé d'insectes. Donc ça doit être ça. Donc là, on casse tout, on est des fous. On est des fous. Ah bon sang. C'est bon. On va remonter, on va voir la vieille, ce qu'elle va nous dire. Un peu mamie gâteau. Ah, le magasin qui est ouvert. Acheter. Vous êtes venu acheter une carte, n'est-ce pas? Normalement, c'est avec mon mari que vous devriez traiter. Mais quelle surprise, il est encore dans les ruines. Il revient de temps en temps pour me donner de nouvelles cartes à vendre. Mais je voudrais qu'il passe plus de temps ici. Tenir une boutique ne m'intéresse pas beaucoup. Vous devriez parfois revenir à me voir. Avec mon mari qui est toujours en train de travailler, nous aurons de nouvelles cartes en stock de temps à autre. Maintenant, voyons ce qu'il me reste à vendre. Ah, donc une boussole qui me coûte 220. Ça c'est quoi? Une plume. Tu en auras besoin si tu veux pouvoir ajouter les nouvelles régions que tu explores à ta carte. Donc en gros, ça c'est pour si je veux modifier ma carte. Ok. Épingle avec vous. Ces magnifiques cotons bleus, j'ai fabriqué cette épingle pour que vous puissiez marquer leur emplacement. Ah, ça c'est pour ce qu'il faut débloquer. D'accord, il y a des marchands. Peut-être de cornifères. Ok, les sources chaudes, c'est peut-être pour se soigner. Ça, on va la prendre, on va l'acheter. Z, oui. Et on a équipez un charme pour activer ses puissances attributs. Pour équiper un charme, ouvrez le menu charme pendant que vous vous reposez sur un banc. Ok. Et c'est pas fini. Je voudrais acheter la plume aussi. Et le reste, on pourra pas acheter malheureusement. Donc comment que ça se passe? Ils veulent qu'on aille sur un banc. On va aller sur un banc, il y a un banc juste à côté là. Carte mise à jour. Pour équiper un charme, ouvrez le menu charme pendant que vous êtes en train de vous reposer sur un banc en appuyant sur I. Ok. Et appuyez sur Z pour s'en équiper. Ok, donc on a l'emplacement de 3 charmes. On en a plusieurs, donc ça c'est quoi? C'est l'emplacement... Boussole murmurante. Ok, donc maintenant ça me dit où je suis sur la carte. C'est cool ça. C'est cool. Ok, bon, on va s'arrêter là. Petite vidéo qui a duré un peu plus longtemps que prévu. Et du coup, il y a un truc aussi que je voulais voir. Tac, 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 tac. Donc là, ça doit être un boss, je pense. Je pense que ça doit être un boss. Faudra voir ça. Ce qu'il en est. Ce qu'il en est, ce qu'il en est. Parce que... j'ai des petits doutes. Ok, on va s'arrêter là du coup. Des bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé comme d'habitude en commentaire. Pourquoi pas mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et pourquoi pas non plus la partager et en parler autour de vous. Ça m'aidera à me faire connaître un peu plus. Des bisous, c'était Soy. Je vous remercie encore de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et je pense que je vais tourner un ou deux épisodes parce que le jeu m'a vraiment très très plu. Donc à plus tard et on se retrouve pour l'épisode 2. Ciao !